أظن استرعنوا لي وقع أفقي. أولا هو أننا يعني عقينا نفسنا واحد الهدف هو أن الجهة لنا ستلعب هذه كدين تجاه البنك الدولي نقصان 250 مليون درهم يعني 25 مليار من المقصان ومستدامة وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي هذا شجون هذا الصندوق الاستثمار الجهوي هو تشجيع الاستثمار خاصة استثمار الشباب ومنظمة ما يعني كنديرو عروض وتكون هناك شيء شهريا الشكر اسمي الخاص باسم كل اعضاء المجلس وعلى المكتب على تأكيد ان يكون محل ديالكم وكذا يكون مستقبلا فالحضور ديالكم في لقاءات مثلا ولا فرق قيمه لا فرق قيمه هذا اليوم قصرتكم في هذه المؤتمرات القصرية مركزة على المنتخبين وعلى الأطراف المالية وانتم كرجال ونساء الإعلام كتبتوا تحصلوا على المعلومات ما لقيتوش الوقت الكافي باش تدخلوا في بعض في مواضيع الاستماع كبير تعلموا بيتي ما يلزمش ولكن كاين خاص البشرية باش يتعلموا تعلموا عندكم يعني حرية تسول D'abord, ce PDR a tracé une ambition. Cette ambition, c'est faire dans notre région, comme c'était toujours le cas, mais on veut renforcer et préserver deux rôles dans notre région. Le premier, c'est que notre région garde le leadership au niveau national. Le leadership économique, le leadership de production, d'exportation, d'investissement, donc au niveau national. Et comme vous le savez, d'autres régions, tant mieux, ont des ambitions importantes. Il faut que ça se développe, mais on veut aussi continuer à nous développer pour préserver ce leadership. Donc on tient à ce que notre région soit la plus attractive de toutes les régions pour l'investisseur, mais aussi pour le touriste ou l'habitant. L'habitant pour une région qui, somme toute, devient un peu plus cher que d'autres. Donc, ça veut dire qu'il faut que tout ce que nous encourageons comme secteur, que ce soit des secteurs à forte valeur ajoutée, qui permettent de payer plus, d'avoir donc des salaires élevés, qui permettent de vivre dans une région comme celle de Casablanca. Donc, c'est la première un peu préoccupation de notre vision. La deuxième préoccupation, c'est que donc, dans ce cadre du leadership, c'est préserver notre positionnement dans le continent africain. Vous savez que Casablanca, c'est aujourd'hui la première place financière au niveau du continent. Nous tenons à préserver ce leadership à ce niveau-là. Et le renforcer sur deux. Par exemple, nous sommes un hub aérien, mais nous ne sommes pas le seul. Nous voulons développer davantage ce hub. Nous voulons développer un peu davantage les infrastructures d'export. Nous voulons améliorer l'attractivité par l'amélioration de tout ce qui est climat et la réduction de la pollution. Nous voulons améliorer l'attractivité de la région. En assurant les ressources en eau, en évitant les inondations. Donc tout ça, c'est des projets que je vous ai présentés, qui sont programmés avec des montages entre les partenaires et nous-mêmes. Ce qui nous amène à les moyens de nos ambitions. Alors, nous ne sommes pas seuls dans ce que nous avons programmé. Nous jouons un rôle de catalyseur, un rôle de planificateur, puis de catalyseur, et puis de levier. Donc, comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans un ratio d'un tiers, deux tiers. Donc, chaque fois je mets un dirham, il y a deux dirhams qui viennent d'autres partenaires, très souvent d'autres départements ministériels, mais aussi d'autres organismes que les ministères
ou les collectivités territoriales. Par exemple, pour beaucoup de projets, les communes, comme celle de Casablanca, mettent beaucoup de moyens. Nous sommes plutôt la pointe. Donc, c'est un montage qui n'était pas facile à faire, hein, donc pour justement mobiliser tout ce monde et que tout ce monde puisse suivre. Dans la partie qui nous revient, il y a, je peux dire, 12,6 milliards. Donc je peux vous dire que d'ici les 5 ans qui nous restent, on peut mobiliser 10 milliards. Donc il y a à peu près 6 et quelques qui sont des ressources propres qui viennent, des différentes recettes que nous avons. Et puis il y a des ressources qu'on a retrouvées, en fait, qu'il fallait faire un peu de toilettage des comptes de la région, des choses qui étaient programmées qui n'ont pas vu le jour, des choses qui étaient là. Donc on a mobilisé des ressources qui étaient là. Hein, donc il fallait un peu plus d'intelligence financière pour faire ressortir cet argent. Ah, il n'est pas sorti, mais en tout cas, on l'a programmé ailleurs, donc qui permet de réaliser ce que nous espérons réaliser. Et donc, il restera éventuellement à recourir à la dette pour à peu près 2 milliards si, et quelques, si on arrive à un avancement très poussé de nos projets. Donc, on ira vers un complément par du financement sous forme de dette. Alors, quand je dis dette, aujourd'hui, pour vous rassurer, ce n'est pas nous qui allons chercher les bailleurs de fonds. C'est les bailleurs de fonds qui viennent nous chercher. Parce que nous avons des projets qui tiennent la route, et parce que la région a beaucoup de crédibilité, parce que la région a déjà fait bénéficier d'un crédit de la Banque mondiale sans garantie de l'État. C'est la première fois dans le continent africain. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas d'inquiétude par rapport à cela. Sauf accident, mais quand Allah me couche l'accident. Oui, mais en termes de ratio, vous avez parlé de 12%. Qu'est-ce que ça représente par rapport au montant financier que la région va débloquer? Je n'ai pas parlé de 12%. Vous avez parlé de 12%. Non, 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 non. Non, non, non. J'ai parlé de 12,6 milliards. Milliards, exact, milliards. Donc oui. C'est voilà. Sur les 47. Donc faites le calcul. Est-ce que vous avez une chance, M. le Président? Bien que ce n'est pas évident, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'il y a une chance pour la réalisation? Vous avez bien dit que c'est pas facile. S'il y a aujourd'hui une complexité dans ce que nous faisons, je ne veux pas dire un mot mal placé, c'est celle justement de planifier dans le temps, parce que nous ne sommes pas maîtres du processus. Nous sommes plusieurs. Donc il suffit que un partenaire tarde ou qui demande une étude de ceci, ou que, etc. Donc, pour que ça attende. Et puis, un processus administratif également qui est chronophage, qui bouffe du temps, parce que ça nécessite l'approbation de ceci, l'approbation de cela, etc. Donc, comme je vous ai dit, jusqu'au 3 juillet, nous avons conventionné 20% de notre PDR. Si on va dans ce rythme, Inch'Allah, ça veut dire qu'à la fin du mandat, on aurait conventionné la totalité. Maintenant, entre conventionné et réalisé, bon, il se passe des fois quelques années. Parce que la convention, l'approbation, l'accord de tout le monde, etc. Et les études, les plans, les appels d'offres, le marché, l'ordre de service. Bon, on a des projets qui étaient conventionnés début de mars 2022, qui n'ont pas encore démarré. Et il y a des projets qui ont été conventionnés mars 2022, qui vont presque toucher à leur fin. Mais la promesse est là et le rêve est toujours possible d'ici 2027. Même. La promesse est là. Oui, c'est notre promesse politique. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour être le plus proche possible de cette promesse. Moi, je ne vais pas vous raconter des bobards. Hein. Même dans les fiches projets que nous avons un planning, un timing. Maintenant, c'est, comme on dit honorable, les caisses bouillent au cachet. Donc, le planning, c'est notre planning. Après, on va le faire ratifier avec l'ensemble des partenaires dans le cadre des comités de pilotage que nous avons dans chacun des contrats de programme.